3 ans. Et j'ai ce besoin. J'ai ce besoin de reprendre mes études et j'ai ce besoin de devenir médecin un jour. En fait, à chaque fois que je vais à l'hôpital, à chaque fois que je sors de l'hôpital et tout, bah, j'ai toujours une amertume, un regret, limite la gorge nouée de me dire que ça aurait pu être moi. Et je vous jure que je vous en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que j'y pense. Au début, j'étais tellement dans le rush d'avoir monté ma famille, etc., que j'y pensais plus trop. Et aujourd'hui, quand ma vie s'est stabilisée, quand mes deux enfants vont rentrer à l'école et tout, et bah, j'ai vraiment l'envie. Si vous n'êtes pas intéressé dessus, vous pouvez passer. Mais cette vidéo s'adresse plus aux médecins de TikTok ou aux étudiants, etc. Alors j'aimerais savoir pour vous les passerelles qui s'offrent à moi dans ma situation. En fait, quand je vois des TikTok, etc., de jeunes filles qui ont eu leur année de médecine, la première année et tout, je suis obligée de pleurer à chaque fois parce que j'aurais beaucoup aimé être à leur place. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, lâchez pas vos études, c'est très important. Et c'est même pas pour le côté financier, c'est loin de tout ça, les filles. Je pense que vous vous doutez qu'en tant qu'influenceuse, on peut gagner 15-20 fois le salaire d'un médecin, ça n'a rien à voir. Moi, c'est la passion. C'est vraiment ce qui m'animerait dans ma vie, de me lever le matin et d'aller soigner des gens et d'être là pour aider les gens et d'être au contact de l'humain. C'est quelque chose qui me plaît trop.